Pour terminer la séance, on s'allonge sans musique sur le sol. On relâche ses bras, on relâche ses jambes, on relâche sa tête. On ressent chaque partie de son corps qui se dépose sur le sol. On vérifie qu'on est bien installé. On va poser les mains sur le ventre. Et on va prendre le temps d'inspirer par le nez et de laisser le ventre se gonfler. Puis d'expirer par la bouche et de laisser le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. On aspire le nombril. Et on inspire, on cherche à gonfler les poumons. Et on expire, on vide complètement les poumons. Continuez encore cette respiration à votre rythme. Sentez que le rythme cardiaque du corps est en train de décélérer. Votre respiration aussi peut se ralentir. Relâchez les bras sur le sol. Tranquillement, on laisse le genou droit se plier sur le côté. Passez parallèle. Et laissez le pied glisser sur le sol. Et à gauche, le genou plie sur le côté, parallèle, et on glisse sur le sol. Encore une fois, essayez de bien relâcher le pied de laine, de ne pas du tout contracter les cuisses. Relâche bien les omoplates sur le sol. Les deux genoux, pieds sur les côtés. On attrape ses genoux, on ferme en parallèle. On a la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche, les genoux ensemble serrés. On va faire des tout petits cercles, de droite à gauche. Et sentir un cercle se former dans le bas du dos. Et on change de sens. Et on prend le temps avec ce cercle de se faire un automassage des lombaires et des moyens fessiers. Gardez les genoux pliés, ouvrez les bras à la seconde. On va déposer les deux genoux vers la droite, bien serrés. On met la tête à gauche. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Replacez les deux genoux au centre. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez, laissez tomber les jambes. Et on pose les deux genoux vers la gauche. On emmène le menton vers la droite. On inspire profondément par le nez et on expire par la bouche. On se replace au centre. On inspire et on expire. Relâchez vos jambes. Faites des cercles lents avec les chevilles. Attrapez les mains au-dessus de la tête, étirez-vous. Et prenez le temps. Vous pouvez rester encore une minute allongé au sol. Et chacun prend le temps de s'asseoir
de se relever. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour ce cours de barre au sol que vous pouvez faire tous les matins, un jour sur deux, deux fois par semaine, une fois par semaine, comme vous voulez. C'est vraiment un entretien du danseur. C'est un entretien de l'en dehors, de la souplesse, des muscles profonds, des abdos, du soutien du dos, du port de tête. Donc vraiment, c'est libre à chacun, selon ce que vous pouvez faire, de faire ce cours en attendant que l'on puisse se retrouver. À très bientôt !